France Culture, il est 11h, nous retrouvons Gérard Courtois et ses invités. Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public en direct et sans public sur la scène de l'Espace Cardin et que vous pouvez écouter et voir, regarder sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville. Ensemble, nous allons porter un autre regard sur l'actualité de la semaine, sans Émilie Aubry que je supplée aujourd'hui, mais avec nos invités du dimanche, le professeur de relations internationales Bertrand Badi, la philosophe Monique Cantos-Perber, la journaliste Christine Krent et le politologue Pascal Perrineau. Au sommaire de ce dimanche, deux sujets. La Ve République est-elle à bout de souffle et la France est-elle enlisée au Sahel? À écouter ces dernières semaines les déclarations alarmantes de responsables politiques de tous bords, il semble bien que la patrie est en danger, ou au moins nos institutions. En voici un petit florilège qui est très loin d'être exhaustif. Philippe Bas, sénateur Les Républicains et ancien président de la Commission des lois au Palais du Luxembourg. Guillemets, le système politique issu de la Ve République est en ruine. Boris Vallaud, député et porte-parole du Parti Socialiste. Nous sommes dans une Ve République à bout de souffle. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat putatif à la présidentielle de 2022, la Ve République a fondé son modèle régalien. Il préconise d'ailleurs l'instauration d'un mandat présidentiel unique de 6 ans, tandis que Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, est favorable, elle, au septennat non renouvelable. Pour Jean-Luc Mélenchon, chacun le sait, il est urgent d'abolir la monarchie présidentielle et d'instaurer une 6e République. Et ce n'est pas tout, dans la majorité également, on tient des propos extrêmement alarmants. Dans son livre récent « L'ange et la bête », le ministre de l'économie Bruno Le Maire ne mâche pas ses mots. Je cite « Soit nous proposons une transition vers de nouvelles institutions, soit nous nous exposons à une crise de régime. Rien moins ». Quant au président du Modem, François Bayrou, il a déclenché une offensive de grande envergure pour que l'élection des députés se fasse dès 2022, totalement ou partiellement au scrutin proportionnel. Vous direz, et les gardiens du Temple diront, que la Ve République en a vu d'autres. Et c'est vrai qu'elle a, en 63 ans, surmonté des crises majeures. Elle avait d'ailleurs été conçue pour ça par le général de Gaulle. Mais il semble qu'elle traverse aujourd'hui une crise plus profonde, peut-être existentielle, comme si elle entravait, voire empêchait, le débat démocratique. Le système majoritaire qui donne tous les pouvoirs aux uns et rien aux autres est un système délétère de ce point de vue-là. Ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Je vous rappelle que les deux derniers présidents de la République ont été élus avec cet engagement dans leur programme. Aujourd'hui, il y a un éclatement des forces politiques. Marine Le Pen a été au deuxième tour de l'élection présidentielle, elle a fait près de 35% des voix, c'est pas rien. Elle est revenue avec moins de 1% des sièges, 6 sièges sur 577. J'avais vécu la même mésaventure en 2007, ayant fait près de 19% et revenu avec 3 sièges à l'Assemblée nationale. Ceci n'est pas acceptable quand on veut demander à tous les courants civiques d'être responsables et de prendre leur part de l'effort national. Pascal Perrineau, deux questions pratiques pour commencer. Est-ce qu'une telle réforme est faisable d'ici au prochain scrutin de juin 2022 et que changerait-elle selon les différents scénarios envisagés? Elle est difficilement faisable. Il faudrait aller maintenant extrêmement vite ou utiliser ce qu'envisage éventuellement le président du Modem, le référendum. Mais est-ce que les Français, véritablement, ont en tête
une consultation aujourd'hui sur la réforme du mode de scrutin. On pourrait se poser la question, on verrait un taux de participation certainement de l'ordre de 20 à 30% au maximum. Donc c'est possible, mais le temps presse parce que depuis ce qu'on appelle la loi Richard, dans la dernière année, avant une élection présidentielle, on ne change pas le mode de scrutin. Autrement dit, il faudrait régler ça dans les deux mois qui viennent. Tout à fait. Donc vous rendez compte, l'agenda législatif est extrêmement chargé. Deuxièmement, est-ce que ça changerait profondément les choses? Alors là, on est dans l'appréciation personnelle, le sentiment. Je ne crois pas que ça... Oui. Prenons les deux hypothèses qui sont sur la table, puisqu'il y a deux propositions de loi déposées par le MoDem. L'une pour une proportionnelle intégrale, l'autre pour une proportionnelle... dans les départements qui comptent plus de 12 circonscriptions, c'est-à-dire 9 départements les plus peuplés de France, ça fait à peu près 130 circonscriptions. Voilà. Alors, la première modalité, qui est celle de la réforme de 1985, adoptée pour législative de 86, peut changer profondément les choses. Peut changer beaucoup les équilibres politiques. D'ailleurs, en 1986, on était passé à quelques sièges près devant une assemblée totalement éclatée. Donc, cette proportionnelle départementale, en effet, n'est pas une proportionnelle intégrale, parce que pour parler d'une proportionnelle intégrale, il faudrait un cadre national. Mais enfin, cette proportionnelle proportionnelle générale. La proportionnelle de type départemental, avec un seuil de 5%, oui, peut entraîner, il y a certaines projections qui sont faites aujourd'hui, peut entraîner, en effet, un changement des équilibres politiques. Il y aurait une poussée forte de partis qui ne sont pas inclus dans des systèmes d'alliances. En particulier la France insoumise, en particulier le Rassemblement national. Donc quand on n'est pas... Qui passerait l'un et l'autre autour, sur la base des résultats de 2017, autour de 60 à 80 tout à fait. Parlementaires. Et donc auraient plus que leur mot à dire. La seconde modalité, ça ne toucherait que 9 départements. Je ne crois pas que ça bouleverserait les équilibres politiques et ça correspondrait à l'esprit de l'engagement du président Macron lorsqu'il était candidat, qui ne parlait pas d'instaurer une proportionnelle. Il parlait, en effet, d'une dose de proportionnelle, d'instiller, comme on dit, c'était le terme de François Mitterrand, d'instiller de la proportionnelle. Mitterrand avait fait plus que d'instiller de la proportionnelle, il l'avait presque rétabli. Donc là, vous auriez, en effet, un correctif proportionnel qui me semble, là, en revanche, tout à fait raisonnable, parce qu'il est vrai que la sous-représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat des forces comme la France insoumise, comme le Rassemblement national, pose problème et qu'il mériterait d'être davantage représenté. Mais attention au discours qui est tenu. On vient d'écouter le président du MoDem. Tout de même, méthodologiquement, ça pose un problème. Il dit, moi, j'avais fait 19%, je n'avais qu'une poignée de députés. Mais il avait fait 19% à la présidentielle. Ce n'est pas aux législatives. Donc, il faut parler des législatives. Combien ces partis font aux législatives sinon, on ne comprend rien. Il dit, Marine Le Pen faisait 33%. Elle faisait 33%, d'ailleurs, au second tour de la présidentielle. Et il projette ça sur les législatives. Je veux dire, le débat est mal parti. Il est mal parti, mais néanmoins... c'est une question que je voudrais poser à Monique Cantos-Perber. Il y a effectivement un déséquilibre manifeste entre l'importance de tel ou tel mouvement, le Rassemblement national, par exemple, sur la scène politique française, et sa représentation. Et c'est une distorsion qui est problématique. Elle est tout à fait problématique, mais elle est en quelque sorte la conséquence d'une question de fond, qui est le problème de la représentation des citoyens au Parlement, et d'ailleurs dans d'autres instances aussi. Un calcul a établi que 14% des électeurs inscrits au premier tour des élections présidentielles de 2017 avaient voté pour la majorité actuelle qui détient une très large majorité au Parlement. Donc il y a là quelque chose qui est un effet de distorsion majeur. Maintenant, la question de la représentation des citoyens est ouverte. Est-ce que la proportionnelle, sur la base qu'on nous propose, enfin qui a en tout cas fait l'objet de la discussion aujourd'hui, est la bonne solution? J'aimerais émettre quelques réserves à ce sujet.
Pour les raisons suivantes, c'est que d'abord cette proportionnelle, la proportionnelle dont nous débattons aujourd'hui, n'est une proportionnelle de représentation par parti. On parle des opinions, on parle des sensibilités politiques, on parle des orientations et des préférences des citoyens, mais pour finir, il s'agit des partis. Or, tous les sondages montrent que la défiance à l'égard du politique en général, du pouvoir politique, est très grande. Mais alors, la défiance à l'égard des partis est encore plus grande. 9% des citoyens, aujourd'hui, font confiance aux partis. Alors, il est un peu paradoxal, au moment où on veut représenter et faire entendre la voix des citoyens au Parlement, que de prendre comme seule option à considérer celle des partis. Par ailleurs, juste pour préciser... parce que les partis seraient par définition ceux qui feraient la sélection des listes électorales. Absolument, il n'est question que de cela pour l'instant. D'accord. Je n'ai pas entendu parler d'autres options. Par ailleurs, le parti aujourd'hui, le parti politique tel qu'il se définit, n'a rien à voir avec le parti tel qu'il se définissait il y a une cinquantaine d'années. Il y avait véritablement une appartenance, des votes, il y avait une fidélité, une loyauté à son parti. Et souvent, la filiation à un parti était commandée par une position sociale et économique. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On constate une très grande volatilité des électeurs. Et de plus, l'offre politique a complètement changé. Leçon tirée des élections de 2017, c'est que les partis traditionnels, en quelque sorte, n'étaient plus véritablement audibles dans le champ politique. En revanche, de nouvelles configurations instables, changeantes, évolutives, tendaient à s'imposer. Le parti majoritaire aujourd'hui est un parti qui se prétend et de gauche et de droite. Est-ce que ça entre dans le cadre de ce qu'on appelait traditionnellement des partis ? La question se pose. Donc tout cela, et puis aussi le fait qu'on a vu apparaître des mouvements comme La République en Marche ou France Insoumise, qui sont quand même très centrés sur la personnalité d'un homme politique tout à fait exceptionnel et qui se distingue, ça ne fait aucun doute. Et on peut en dire autant du Rassemblement National, d'ailleurs. Hein. Oui, aussi. Les trois principaux partis. Absolument. Alors tout ça fait qu'on peut se poser des questions quand même sur la représentation par parti comme le meilleur moyen d'assurer la meilleure représentativité. De plus, tous les sondages montrent que les électeurs veulent choisir aussi une personnalité et pas simplement un parti. D'ailleurs, souvent, les partis ont des lignes idéologiques qui sont de plus en plus superposables. Et puis, par ailleurs, il me semble que, si vous voulez, tous les arguments en faveur de la proportionnelle aujourd'hui tendent à écarter les dangers qu'elle pourrait susciter, en particulier la stabilité gouvernementale. On va y venir, mais Alors, je voulais vous justement proposer... Je voudrais poser la question, pour prolonger ce que vous venez de dire, la question à Bertrand Badie, de savoir, au fond, il y a quand même un problème de désaffection électorale, d'abstention massive, sauf à la présidentielle, mais sur tous les autres scrutins, plus de 50% aux législatives. Est-ce que, si on écoute les réserves ou les critiques qui sont faites à la proportionnelle, ça veut dire qu'on ne change rien et qu'on se contente ou qu'on se satisfait de cette désaffection électorale ? Vous avez parfaitement raison. Je crois que c'est en ces termes qu'il faut poser le problème. Vous savez, la question du mode de scrutin, c'est un serpent de mer. Ça a toujours existé. Un étudiant de Sciences Po en première année, le premier exposé qu'il a à faire, c'est comparer les modes de scrutin. Donc tout ça est vieux comme le monde. Il n'y a pas de mode de scrutin parfait, parce qu'il n'y a pas de mode parfait de transformation de la volonté populaire en représentant. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez tout à fait raison, Gérard Courtois, de le dire, parce que ce que l'on ne veut pas expliciter, c'est cette crise très profonde du politique qui, d'ailleurs, n'est pas spécifiquement française. Regardez autour de nous, regardez l'Italie, regardez la Belgique, regardez l'Allemagne, même ce pays modèle dans le contexte actuel, et vous verrez que cette désaffection du politique est toujours très forte. Qu'est-ce que ça veut dire, cette désaffection du politique ? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire, comme l'a dit Monique il y a un instant, effectivement, une désaffection par rapport aux institutions. On ne se reconnaît plus ni dans la légitimité ni dans l'efficacité des institutions. Ça veut dire aussi une désaffection par rapport au personnel politique. Il y a une question taboue que personne ne se pose jamais, qui est celui de la dérive de la classe politique. Le fait qu'il y ait une perte, allons-y, il faut le dire carrément, de valeur de cette classe politique. Le fait qu'à un an de l'élection présidentielle, on ne voit pas qui peut être sérieusement candidat
à la prochaine consultation, le fait que, rappelez-vous, le général de Gaulle qui disait « après moi, ça ne sera pas le vide, mais le trop-plein », aujourd'hui, le trop-plein n'existe pas, c'est le trop-vide. Il existera dans un an, hein, rassurez-vous. Ça sera un trop-plein artificiel parce qu'on ne voit pas de code d'amour, on ne voit pas d'adhésion, on ne voit pas de leader charismatique se dessiner. Et penser que le Parti républicain songe à rappeler M. Sarkozy pour être son candidat, l'homme qui collectionne les mises en examen, l'homme dont on peut dire que le bilan n'a pas été démesurément magnifique. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a une désaffection à la guerre de la classe politique. Il y a une troisième désaffection, alors là c'est peut-être par déformation professionnelle que je la mets en évidence, c'est que nos démocraties européennes ne savent pas se situer par rapport au grand tournant de la mondialisation. Et spontanément, l'opinion publique découvre cet écart gigantesque qu'il y a entre les problèmes actuels, qui relèvent tous de la mondialisation, qu'il s'agisse des problèmes économiques, qu'il s'agisse des problèmes de sécurité humaine, la pandémie, et cette espèce de provincialisme, de surprovincialisme, dont le débat sur le mode de scrutin en est la parfaite illustration, d'ailleurs. Alors, si vous conjuguez ces trois éléments, vous vous trouvez face à une sorte d'inflation dangereuse, c'est-à-dire une coupure avec les institutions, une coupure avec la classe politique et une coupure avec les grands enjeux. Pascal disait à très juste titre, un référendum sur le mode de scrutin aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, ça veut dire qu'on regarde ailleurs. Et si vous prenez du phénomène des Gilets jaunes, qui était un discours sur la mondialisation et qui était un refus complet de ce qu'ils appelaient le système, terme très à la mode aujourd'hui, vous mesurez à quel point, effectivement, on est dans une situation de type populiste, c'est-à-dire où on cherche d'autres légitimités que celles des institutions. Et ça, c'est effectivement très grave, c'est une vraie pathologie. Je voudrais qu'on suive les conseils de Bertrand, Christine Ockrent, et qu'on fasse un peu de comparaison européenne. On est, avec la Grande-Bretagne, le seul pays européen qui n'a pas adopté peu ou prou le scrutin proportionnel pour l'élection législative. Il me semble, en tout cas, vous me confirmerez. Est-ce que vous savez expliquer cette particularité franco-britannique ? S'agissant de la Grande-Bretagne, le système est encore beaucoup plus radical parce que c'est un scrutin majoritaire à un seul tour, ce qui a évidemment favorisé jusqu'à l'époque contemporaine le bipartisme au détriment du troisième parti qui est toujours le complément et qui permet dans certains cas, avec les Lib Dem, les libéraux démocrates, parfois à composer des équipes de coalition. Partout ailleurs en Europe, oui, il y a de la proportionnelle avec des systèmes très différents selon l'architecture du pays. L'Allemagne et la Belgique sont des pays fédéraux. Et à partir de là, la relation du citoyen aux gens que le citoyen élit est d'une toute autre nature, parce que la proximité est évidente. Elle est géographique, elle est temporelle, elle est liée à des problèmes concrets. Et ce qui me frappe dans ce débat français, qui est aussi ancien que la Ve République, et je me souviens en particulier des propos de Georges Pompidou dans ce livre qu'il n'a pas achevé en 1974, et au fond qui décrivait ce qui nous agite, ou au contraire ne nous agite pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, la vie politique, comme la nature, a horreur du vide, quitte à brasser de l'air. La plupart des hommes et des femmes politiques qui s'expriment sur cette affaire de changer le mode de scrutin dans le calendrier dont Pascal Perrineau soulignait à juste titre l'étroitesse, ils brassent de l'air. Parce que la réalité, Bertrand Badi le disait très justement, c'est que le débat politique est inexistant. D'abord, il est écrasé par la pandémie. Il est écrasé par la pandémie. Donc, l'idée de demander aux Français de se prononcer sur le système de proportionnel qu'il faudrait instiller, alors que ce qui les préoccupe à juste titre, c'est de savoir quand, comment on va plus ou moins vivre à nouveau comme on se souvient qu'on a vécu,
Et ça va faire à peu près un an qu'on s'efforce de s'en souvenir. Enfin, tout ça me paraît totalement irréaliste. Et il est un fait que ce qu'Emmanuel Macron avait très bien perçu, et c'était sa réponse aux Gilets jaunes, c'était le besoin d'un autre mode de participation. Pourquoi ? À cause des réseaux sociaux. À partir du moment où les gens s'expriment à titre individuel, même dans un circuit générationnel et culturel, disons, probablement beaucoup plus étroit qu'on l'imagine. Néanmoins, les gens estiment que leur avis, surtout quand ils sont sous pseudonyme, a absolument la même valeur, sinon une valeur plus grande, que celle de tel ou tel élu. À partir de là, ce mécanisme de la consultation citoyenne, on en a vu aussi les limites, mais on voit bien que c'est ce qui répondrait, d'une certaine manière, aux aspirations d'une partie de l'électorat, beaucoup plus, me semble-t-il, qu'une énième réforme du mode de scrutin. Il faut se souvenir d'ailleurs que François Mitterrand avait conçu d'instiller la proportionnelle pour des raisons purement politiciennes. Purement politicienne et pour faire éclater la droite. Alors, raison politicienne de Mitterrand en 86, débat provincial, dit Bertrand Badie, débat surréaliste, dites-vous Christine. Alors, Pascal, ce débat ne sert à rien. La question de l'abstention structurelle dans un scrutin majeur qui désigne la majorité qui va permettre de gouverner. Est-ce que cette question-là doit être mise au tiroir ou abordée sérieusement ? Deux ou trois choses sur cette affaire. Ce débat ne sert pas à grand-chose. C'est un débat où il y a beaucoup de postures. Il ne faut pas croire que la réforme du mode de scrutin va provoquer une hausse massive de la participation. C'est faux. Quand vous regardez la litanie des législatives sous la Ve République, celle qui a battu le record toute catégorie de participation, ce sont les législatives de 1978, parce que là, on se disait tous, est-ce que la gauche va enfin arriver au pouvoir sous la Ve République ? Il y avait un enjeu fort, et c'est l'enjeu qui mobilisait, et c'était au scrutin majoritaire à deux tours qu'on présente aujourd'hui comme ayant tous les défauts du monde. D'autre part, donc, la représentation proportionnelle peut décevoir. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de dire, à juste titre, la représentation proportionnelle représente mieux la diversité politique, pas du tout sociale, parce que je partage tout à fait ce que disait Monique tout à l'heure, c'est la promotion des apparatchiks, en général, la proportionnelle. Hein ? Et c'est l'absence d'hommes et de femmes liés à des terrains. Donc, mais ça favorise, c'est vrai, la diversité politique, la représentation, en particulier des partis qui sont sous-représentés. Mais attention, est-ce que cela veut dire que le peuple est mieux entendu ? Franchissons les Pyrénées. Allons aujourd'hui en Espagne, où il y a la représentation proportionnelle. Vous avez un gouvernement socialiste de M. Sanchez, associé avec la gauche de la gauche de Podemos, qui n'a pas la majorité au Cortés, à l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Espagne. Avec qui vit-il ? De qui dépend le gouvernement ? Il dépend entièrement des tout petits partis, le Parti national basque et l'ERC, qui est un parti catalan, qui dit « attention, je vais faire un malheur ». Là, la dernière fois, ils ont dit à Sanchez « ah, on s'abstient, donc voilà, on vous soutient indirectement ». Donc, ce sont, dans ce cas-là, ce sont de tout petits partis, qu'on appelle souvent les partis charnières hein, en sciences politiques, qui représentent 2 à 3% de l'opinion, qui décident si l'Espagne va être gouvernée à gauche ou à droite. Donc attention à une analyse un peu trop rapide, naïve, hein, presque, des effets de la représentation proportionnelle. D'autre part, la représentation proportionnelle, mais elle est présente dans le système français. Hein. Elle est présente aux européennes, elle est présente aux régionales, elle est présente comme correctif au municipal. Elle est très présente au sénatorial. Voilà. Elle est très présente au sénatorial. Donc, on a une représentation assez pluraliste dans les autres modes de scrutin que ceux qui constituent, j'allais dire, les scrutins essentiels de sous la Ve République, qui sont l'appareillage entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Mais attention, et je termine par là, attention toujours quand il y a une crise de la politique, qui est une crise d'ailleurs pas des institutions. Moi, je ne crois pas à ça.
C'est une crise de la démocratie. C'est autre chose. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que la démocratie est de plus en plus fragmentée entre une démocratie représentative, une démocratie participative... Qui cherche à s'inventer, qui ne trouve pas pour l'instant son centre de gravité, entre une démocratie délibérative, hein, qui cherche à délibérer sur la prise de décision politique et qui n'y arrive pas, on le voit bien avec la Convention sur le climat, entre une démocratie directe, qui est la démocratie manifestante, hein, que certains trouvent comme étant la seule expression du peuple. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au maximum, ça a été 290 000 manifestants, hein, le 17 novembre, hein, 2018. Donc, je veux dire, il faut être tout de même prudent. Hein, Donc, ce système démocratique est complètement désarticulé aujourd'hui. Donc, il faut, en effet, aller vers ce que les citoyens... Ce dont les citoyens, ils ont envie de quoi ? Ils ont envie de ce que Dominique Rousseau, un très bon constitutionnaliste, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire plus de démocratie entre les moments électoraux. Hein ? Et cette démocratie continue, c'est fait de multiples procédures. Démocratie participative, démocratie délibérative, de temps en temps consulter le peuple, mais pas sur n'importe quel sujet. Hein, et puis la démocratie, qui est la démocratie, j'allais dire directe, bien sûr, la démocratie de la manifestation. Mais n'attendons pas trop, hein, j'allais dire, de la démocratie participative. Il faut trouver plutôt des modes d'articulation entre la démocratie représentative, qui a tout de même, elle, la légitimité, ne serait-ce que la légitimité du nombre. On se gausse de la participation faible aux législatives de 2017. Mais c'était tout de même, je parle de mémoire, je peux me tromper, c'est 23 ou 24 millions d'électeurs qui se sont déplacés. Hein ? Je parlais des Gilets jaunes, c'est 300 000 personnes, et les assemblées citoyennes, qui sont intéressantes, etc., c'est quelques centaines de citoyens tirés au sort. Donc, à la fin des fins, c'est bien la démocratie représentative qui a la légitimité. Donc, il faut trouver des modes d'articulation entre ces différentes instances démocratique afin qu'on sorte de cette démocratie fragmentée qui est devenue la France. Ah, si l'on pouvait être suisse. Monique Otto-Sperber, vous partagez cette prise de recul faite par Pascal Perrineau sur la question de la proportionnelle et du mode de scrutin. C'est secondaire, au fond. Oui, en tout cas, ce n'est qu'un moyen pour une fin. Et ce qu'il faut envisager, la fin, c'est comment remettre les citoyens au centre du système politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en effet, la question de la représentation, du mode adéquat de représentation, est une question essentielle. La proportionnelle peut être éventuellement un moyen pour cela, mais en tout cas, pas sous la formule sous laquelle elle est le plus souvent présentée, parce que là, en effet, soit on a la prise en otage par des tout petits partis, soit on a des situations où ça ne change rien. Il y a 70 députés AFD ou pas, au Bundestag, qu'est-ce que ça change ? Rien. Il y a eu une représentation massive des 5 étoiles en Italie, qu'est-ce que ça a changé ? Rien. On se retrouve avec une configuration politique, gouvernement technique, d'unité nationale, pardon, comme c'était le cas. Ça change quelque chose d'essentiel par rapport à notre jeu politique, c'est que ça oblige à des coalitions de gouvernement. Bien, alors je voudrais revenir à l'essentiel. Hein. C'est que nous sommes en effet dans une crise qui n'est même plus une crise de régime, ni même plus une crise de 5e République à la française. C'est véritablement une crise des institutions, de la démocratie libérale, représentative et pluraliste. Et ça, d'une certaine manière, tous les pays sont frappés. Pour des raisons qui sont des raisons de fond, les menaces internationales, terrorisme, enjeux climatiques, réactivité de la société, l'exercice du pouvoir a complètement changé du fait que immédiatement, les réseaux sociaux peuvent s'enflammer. Tout cela laisse très peu de place à la délibération politique, aux droits faits, au pluralisme, à la consultation des opposants et des partis qui iraient contre la ligne dominante. D'une certaine façon, c'est la pratique même, l'espace même où la démocratie libérale représentative peut être efficace, qui se trouve de plus en plus restreint et soumis à une condition d'urgence pour laquelle il n'a absolument pas été conçu. Les institutions de la liberté, comme disait Raymond Aron, elles remontent au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Elles n'étaient pas du tout faites pour le monde actuel. Donc il y a un gigantesque travail intellectuel et moral, d'ailleurs, et politique, à réaliser pour essayer de voir de quelle manière on peut garder l'essentiel de la démocratie libérale représentative dans les conditions actuelles. Alors il est vrai qu'en plus, les pratiques de pouvoir, et particulièrement en France, avec le gouvernement actuel, n'ont pas arrangé les choses avec ce choix
ce choix binaire qui a permis l'arrivée au pouvoir avec une pratique du pouvoir très concentrée, très verticale, des crises majeures qui ont affecté ce pouvoir. Tout ça a fait que, d'une certaine manière, les dysfonctionnements ont été révélés au grand jour. Donc maintenant, il faut poser un diagnostic très lucide. Parce que ce qui est en jeu, c'est la survie de notre régime. Il est possible que les institutions libérales soient promises à disparition. Donc il faut poser un diagnostic très lucide et essayer de trouver des solutions. Et ces solutions sont nécessaires parce que si nous ne les trouvons pas, nous allons directement vers d'autres types de gouvernements, probablement plus autoritaires, plus populistes, comme on dit. Donc les solutions, elles sont de quelle nature ? Remettre la participation politique des citoyens, ce qu'on appelle la liberté politique dans son sens le plus riche, au cœur du système, avec des moyens de représentation qui soient plus adéquats et qui sont à penser, peut-être un peu de proportionnelle, mais surtout, si vous voulez, la proportionnelle n'arrive qu'en queue de solutions, qu'en queue de liste des solutions. D'abord, il faut remettre le Parlement au cœur du système. Or, le Parlement, on l'a vu depuis 3 ou 4 ans, du moins en France, a un rôle qui est de plus en plus discuté et parfois même contesté. Donc, remettre le Parlement, la délibération parlementaire, la réunion de perspectives différentes au cœur du système et favoriser la liberté politique, non seulement des citoyens, mais aussi des groupes sociaux, de tout ce qui fait la richesse d'une société. D'une certaine manière, la représentation, elle ne peut pas se limiter à la représentation par parti ni à la représentation individuelle de chacun. Elle doit être beaucoup plus fondamentale et impliquée, engagée, toutes les parties de la société. C'est un travail en cours. L'expérimentation est nécessaire, les recherches académiques sont nécessaires, l'expérimentation est absolument nécessaire, mais d'abord, ça ne peut être appuyé que sur un diagnostic extrêmement lucide de l'impossibilité à poursuivre à long terme dans la situation actuelle. Une dernière question, Pascal. Le docteur Perrineau, quand il entend qu'il y a une question de survie qui doit d'abord... et que la médecine nécessaire doit reposer sur un diagnostic. Moi, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on peut encore réformer, ou est-ce qu'on peut tout simplement réformer les institutions françaises, en l'occurrence, à froid ? Est-ce que c'est... Les deux derniers présidents, l'actuel et son prédécesseur, François Hollande, ont essayé. Ils se sont heurtés soit à l'opposition du Sénat, soit à la perspective de n'avoir pas de majorité pour faire adopter une telle réforme. Est-ce que c'est encore possible, dans la configuration actuelle, de changer les institutions ? Changer les institutions, je dirais, attention, sortons du péché mignon français qui consiste à dire on a un problème, on va changer d'institution. On l'a fait 10 fois en 200 ans. Voilà, la 5e République, alors pourquoi pas la 6e, puis après on se posera le problème de la 7e, etc. Je ferai remarquer que quand on regarde autour de nous en Europe, la loi fondamentale en Allemagne n'a pas changé, on n'a pas demandé à changer de république en Allemagne, on n'a même pas demandé à changer de république aux Pays-Bas, où la Constitution est encore date du début du 19e siècle, si ma mémoire est bonne. Donc, un roi. Voilà, ils ont un roi. Les Espagnols, depuis qu'ils ont inventé un régime démocratique en 1975, n'ont pas changé de Constitution. Donc attention à ce péché mignon français. Et je crois qu'en revanche, on peut en effet toiletter, comme on le fait, si possible dans une conjoncture calme, les institutions. Nicolas Sarkozy, quand il était président, l'avait fait en 2008. Vous avez une réforme... C'est passé à une voix près. Hein. Mais c'est passé. C'était dans une situation qui était une situation relativement paisible. C'était avant crise financière. Voilà, exactement. Et en début de mandat. Voilà. Et je crois que les circonstances actuelles où vous avez la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, c'est peut-être pas le meilleur des moments pour engager cela. Mais en effet, comme Monique le disait tout à l'heure, il ne faut pas se focaliser sur le mode de scrutin et en attendre trop. Il y a un dispositif général à penser, en effet, la réhabilitation du Parlement, la décentralisation. Voilà, il y a un débat qui est parti sur la loi dite des 4D, dans lequel il y a un potentiel de changement. Ça ne va pas assez loin, à mon avis, mais il y a un potentiel de changement. Il faut se poser la question des modalités de vote. Si on veut un petit peu donner du pep à la participation, il faut se poser le problème des modalités de vote aussi. Et pas de la façon dont le gouvernement s'y est essayé récemment. Pas dans un amendement honteux où on cherche à passer sous les radars du Conseil d'État.
Et rétablir les législatives avant les présidentielles, je suis surprise que personne n'ait évoqué cette modification qui a évidemment atténué fortement le rôle du Parlement. Je vois bien qu'on pourrait y passer toute l'émission, mais on va venir tout de suite au notre deuxième sujet, et je vous donne la parole, Bertrand Badie, immédiatement après. La France est-elle enlisée au Sahel ? France Culture, l'esprit public, Gérard Courtois. Emmanuel Macron a manifestement le goût du contre-pied. Il y a 15 jours, contre tous les pronostics, il décidait de ne pas reconfiner le pays. Et mardi dernier, au terme d'une réunion du G5 Sahel, à laquelle il participait en visioconférence avec les présidents du Mali, de Centrafrique, de Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso, il a annoncé, là encore contre bien des prédictions, qu'il n'y aurait pas d'allègement de la force Barkhane au Mali, du moins dans l'immédiat. Mais ces deux contre-pieds me paraissent de nature extrêmement différente. Au plan sanitaire, il s'agit d'un choix. Audacieux ou imprudent, l'avenir le dira. Au plan militaire, le statu quo annoncé, me semble-t-il, témoigne de l'extrême difficulté, au contraire, à choisir la meilleure manière de sortir d'une situation inextricable. En effet, après 8 ans d'intervention militaire française au Mali, le moins qu'on puisse dire est que le bilan est problématique. En dépit des moyens engagés, 5100 militaires français sont actuellement sur le terrain. Les deux objectifs principaux de cette intervention sont très loin d'être atteints, à l'évidence. Le premier était de décapiter, c'est une expression que Emmanuel Macron a reprise dans sa conférence de presse après cette réunion du G5 Sahel, il y a quelques jours, donc de décapiter les groupes djihadistes pour pacifier la région. Or, tout démontre que ce n'est pas le cas. Loin d'être neutralisé, le djihadisme a plutôt tendance à métastaser dans l'ensemble de la région sahélienne, voire vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Golfe de Guinée. Le second objectif était de renforcer les États concernés avant de leur passer la main. Or, il semble bien que les autorités et les forces armées locales se sont montrées jusqu'à présent globalement défaillantes. Alors, le dilemme est assez simple à formuler et beaucoup plus compliqué, voire impossible à trancher. Faut-il rester au risque de s'enliser pour des années, comme les Américains en Afghanistan, par exemple, ou faut-il se retirer au risque de laisser le champ libre aux djihadistes ? Je considère que l'année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires qui étaient attendues et nous avons obtenu les résultats qui étaient les nôtres. Et donc, à l'aune de ces résultats, d'une part, du réengagement conséquent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, à la fois sur les sujets militaires et sur les sujets du retour de l'État, d'une politique de développement, je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement les hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudié, serait une erreur. Et c'est le fruit des discussions que j'ai eues avec chacun des dirigeants. Parce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est à la fois leur demande, et nous fragiliserions leurs efforts à faire cela. Bertrand Badie, vous êtes à la fois un connaisseur et un amoureux de l'Afrique. Comment est-ce que vous analysez la situation au Sahel ? Évidemment, c'est un sujet d'une incroyable complexité, mais quand on est face à des questions complexes, il faut revenir aux origines et situer les choix qui ont été faits par rapport aux enjeux. Or, on traite le Sahel comme s'il s'agissait d'une guerre classique. Une guerre classique, ça suppose au moins 4 éléments qui ne se retrouvent pas dans la situation sahélienne aujourd'hui. Donc il y a eu une erreur d'analyse au départ qui correspond tout à fait à ce conservatisme des classes politiques qui ne voient pas que le monde a changé. Et ces erreurs, on peut les décliner de la manière suivante. D'abord, une guerre, dans la pensée clausewitzienne, c'est une guerre frontale, c'est-à-dire de deux acteurs de même niveau. Le très grand politiste spécialiste des questions de guerre, qui était Quincy Wright, l'Américain, disait... Ça fait quand même longtemps qu'on est passé à la guerre asymétrique. Enfin, qu'on a... Oui, mais la guerre asymétrique, c'est un concept un peu fourre-tout, moi, que je garderais bien d'employer. Regardons plutôt ce qu'il y a. Ce n'est même pas de l'asymétrie. La guerre, c'est une compétition de puissance.
Aujourd'hui, la guerre, c'est devenu une compétition de faiblesse. C'est-à-dire, ceux qui se font la guerre, ce sont les gladiateurs de Hobbes, n'est-ce pas ? Alors qu'aujourd'hui, ce qui est à la base de ces conflits, c'est de la faiblesse. Faiblesse des États, faiblesse des nations, décomposition sociale. Décomposition sociale. Or, le canon face à un autre canon, ça marche. Le canon face à la décomposition sociale, ça ne peut pas marcher. Au contraire, ça fonctionne comme le tuyau d'arrosage. C'est-à-dire, ça fait pousser. Ça fait pousser tout un tas de formes de résistance. Deuxièmement, une guerre, c'est une finalité politique. Vous en avez donné deux, mais en fait, si on faisait le répertoire, la recension de toutes les finalités qui ont été prêtées aux opérations Serval et Barkhane, on serait impressionné. Est-ce qu'il s'agissait d'endiguer une violence ? Est-ce qu'il s'agissait de couper la route aux djihadistes ? Est-ce qu'il s'agissait de stabiliser des régimes ? Est-ce qu'il s'agissait de stabiliser des sociétés ? Est-ce qu'il s'agissait de bonifier des systèmes politiques ? Est-ce qu'il s'agissait de décapiter des phénomènes djihadistes ? Quand vous avez une inflation de finalités politiques, le soldat ne s'y retrouve pas. Troisième élément, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un fait majeur dans notre histoire post-1945. C'est qu'il n'y a plus de victoire. Ou de manière tout à fait exceptionnelle, on peut considérer que l'opération Tempête du désert a abouti à une victoire. Et encore, ça peut se discuter. Mais des victoires au Vietnam, des victoires en Afghanistan, des victoires en Irak, des victoires en Syrie, des victoires en Libye, des victoires en Somalie, des victoires au Sahel, des victoires au Libéria, des victoires en République démocratique du Congo, vous en avez vu ? Il faut se demander, s'interroger pourquoi le mot « victoire » est passé du vocabulaire politique au vocabulaire historique, peut-être même archéologique. Et puis, il y a aussi un quatrième élément qui est le statut de celui qui fait la guerre. Dans un modèle interétatique classique, on fait la guerre à son ennemi. Et ça, M. de la Palisse nous explique les choses de manière très simple et très claire. Aujourd'hui, la question est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire, qui est-on pour faire la guerre ? Est-ce que ces phénomènes de décomposition qui mobilisent plein de facteurs, il faut comprendre que la nouvelle conflictualité aujourd'hui est liée à des facteurs économiques, des facteurs sociaux, des facteurs sanitaires, des facteurs climatiques. Vous savez qu'au Sahel, la désertification, elle augmente de 10 centimètres, elle progresse de 10 centimètres par heure. Le temps de notre émission, vous êtes déjà 10 centimètres de désertification qui a progressé par rapport à avant. Donc, tout ça fait que la société, elle se retrouve à un état pré-hobbesien, c'est-à-dire où finalement, avec un défaut de fonctionnement des États et des institutions, chacun se débat comme il peut pour tirer l'essentiel de ce dont il a besoin pour sa survie. Et qui profite de tout ça ? Eh bien, c'est un nouveau métier qu'il faut savoir regarder en face, qui s'appelle les entrepreneurs de violence, c'est-à-dire ACMI, Al-Qaïda, groupe de soutien, etc. C'est-à-dire des entrepreneurs qui savent faire fructifier cette faiblesse, cette souffrance, pour gagner des avantages. Et là, effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que non seulement nos canons ne servent à rien, c'est-à-dire que je n'ai pas aimé cette formule décapitée dans le contexte français actuel qui évoque des choses infiniment tragiques, n'est-ce pas ? Mais neutraliser, disait la ministre de la Défense, c'est déjà plus sobre, ça ne sert à rien. Parce que quand il y en a un qui disparaît, il y en a 10 qui réparaissent parce que le terreau leur est favorable. Et enfin et surtout, non seulement nos interventions sont contre-productives, non seulement nos interventions ne servent à rien, mais elles sont contre-productives. C'est-à-dire... On va y venir. Non, pas tout d'un coup. Je voudrais... Vous m'avez posé une question, la vérité, c'est que je vous avez une longue réponse, déjà. Bertrand. Oui, c'est pas simple, comme sujet. Mais non, certainement. Mais justement, je voulais avoir l'avis de Christine Ockrent. Quand Bertrand dit qu'il y a une inflation d'objectifs ou de buts de guerre, si on peut dire, qui rendent, au fond, les choses extrêmement confuses. Est-ce que vous avez le sentiment que, dans les décisions qu'il a annoncées, Emmanuel Macron a resserré ses objectifs, les a modifiés, les a précisés, et de manière utile ou de manière, opérationnelle ? L'objectif officiel, depuis 2013, depuis Serval, c'est la lutte contre le terrorisme. Et il me semble, au risque de diverger un peu de la brillante analyse de Bertrand Badie, il me semble que le fait d'avoir, en quelque sorte, synthétisé
ses interventions autour du concept de terrorisme a, d'une certaine manière, fragilisé la justification même des opérations françaises, dont il faut rappeler qu'elles étaient réclamées à l'époque à cor et à cri, non seulement par les régimes africains concernés, mais jusqu'à un certain point par les populations. On se souvient de François Hollande ému à l'extrême et disant que c'était le plus beau jour de sa vie politique quand il a été ovationné. Cette formule a toujours surpris énormément de gens. Voilà, c'est pour ça que je la rappelle. Néanmoins, oui, c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner, mais c'est une guerre qu'on ne saurait perdre. C'est toute l'ambiguïté des opérations militaires contemporaines résumées par Bertrand Badi. C'est une guerre qui ne peut pas trouver sa fin. Non, parce que la formulation du président de la République lors de ce G5 Sahel virtuel est intéressante. Il a parlé d'un alignement politique et militaire. L'alignement de qui sur qui ? Oui. C'est toujours l'idée que ces pays qui sont des États faillis, même le Niger, qui aujourd'hui même, vote en élection présidentielle, et c'est à applaudir, parce que le président Issoufou, c'est un système démocratique qui fonctionne. Le président Issoufou a fait 2 mandats, il dit c'est assez, place au successeur. Néanmoins, le Niger, c'est le record du monde de fertilité, c'est 7,6 enfants par femme. Donc, il y a effectivement des États faillis, des sociétés qui sont complètement à la dérive, avec un modèle colonial qui a failli totalement, c'est-à-dire des institutions calquées sur celles de l'État colonisateur, mais qui aujourd'hui, avec la corruption, avec les facteurs climatiques dont évidemment on ne saurait sous-estimer l'impact, vous avez des populations qui sont complètement à la dérive, et vous avez non seulement ces organisations djihadistes qui proposent de l'idéologie, qui ont un projet politique. Et c'est, me semble-t-il, à ce niveau-là que caractériser dès le départ l'opération française comme étant une opération antiterroriste, alors qu'il faut le rappeler et d'ailleurs s'en féliciter, aucune de ces organisations-là, fort heureusement, n'a jamais commis d'attentats en Europe et en France. Mais le simple fait de voir ces communautés misérables, qui cherchent finalement un mode d'organisation avec des relations intracommunautaires très compliquées, il y a les bergers, il y a les cultivateurs, il y a les ethnies, il y a les Touaregs, etc. Et vous avez non seulement ces organisations djihadistes auxquelles on colle des qualificatifs sans voir qu'il y a des passerelles entre elles, que tout cela, qu'il y a des milices armées en dehors d'Al-Qaïda, Daesh. Donc tout cela, semble-t-il, est une confusion entre un objectif militaire et une réalité socio-économique climatique qui est absolument désastreuse et, au départ, me semble-t-il, une erreur d'analyse sur le terrain même sur lequel nous engageons, il faut quand même toujours le rappeler, des moyens humains et matériels considérables, en espérant toujours que d'autres Européens nous rejoignent dans cette idée qu'il s'agit de terrorisme. Eh bien, oui, il y a quelques 300 Européens. En pointillés. Oui, enfin, il y a 300, il y a différents pays européens qui envoient des forces spéciales à hauteur de quelques 300 personnels militaires. Dans cette opération qui s'appelle Takuba, c'est ça? Voilà, alors Takuba, alors une africaniste me faisait remarquer que c'était une erreur psychologique de plus parce que c'est un terme en langue touareg qui veut dire sabre. Et d'ailleurs, l'opération française s'appelle Sabre. Simplement, pour les populations qui ne sont pas touareg, ça ne leur plaît pas. Et c'est intéressant
parce que cela prouve à quel point, encore une fois, on est forcément décalé par rapport à une réalité locale trop souvent méconnue. Monique Kantos-Perber, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de guerre juste dans cette affaire. La question se pose, et merci de faire ce rapprochement, parce que les termes que l'on emploie le plus souvent à propos de cette intervention, c'est le terme d'enlisement, de difficulté, ça a été admirablement analysé par les deux interventions précédentes, c'est-à-dire la guerre qu'on ne peut pas perdre et qu'on ne doit pas perdre et qu'on ne peut pas gagner. Donc d'une certaine manière, si vous voulez, tout le modèle intellectuel de la guerre juste est fracassé avec ce genre de conflit, qui est maintenant les seuls conflits qui auront lieu dans le monde occidental. La guerre impérialiste de conquête, évidemment, c'est fini. Ça ne correspond plus du tout aux valeurs de notre monde. D'autres pays continuent à pratiquer, bien sûr, mais en tout cas, dans le monde occidental, ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Et donc, ce sont des guerres de type tout à fait particulier, sans déclaration de guerre, qui ne sont pas livrées contre des États, le plus souvent. Et ce sont, d'une certaine façon, comme le disait très bien Raymond Aron, d'ailleurs, les guerres à la paix introuvable, parce qu'il n'y a même pas de concept de paix. Qu'est-ce que ça voudrait dire, faire la paix? Donc, la guerre juste, si vous voulez, elle n'est pas juste au sens moral, elle l'est juste au sens de justifier, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a une proportion, une adéquation entre le caractère raisonnable et rationnel des buts et le caractère admissible des moyens avec lesquels le conflit est mené. Alors les buts, dans toutes ces guerres de genre nouveau qui sont propres au monde occidental, ce sont des buts honorables, ce sont des buts affichables, ce ne sont pas des buts de conquête, ce sont des buts qui ont quand même une idée du bien, quels que soient les intérêts qui soient dissimulés derrière cela. Éliminer le terrorisme, éviter la contagion, enfin tous les buts de guerre qui ont été énoncés. Mais il reste que, d'une certaine manière, ces buts ne sont pas praticables parce que... on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Le terrorisme est sans cesse renaissant. La contagion, elle est tout de même inévitable. La situation actuelle ne fait qu'aggraver. Les conditions matérielles, les climatiques, etc., ne font que s'aggraver, rendant la situation encore plus tendue. Et puis surtout, et ça c'est une chose qui n'a peut-être pas encore été mentionnée jusqu'à présent, inévitablement, les moyens utilisés pour faire la guerre finissent par décrédibiliser l'intervention même. Et ça, c'est un paradoxe dans les guerres, dans lesquelles toutes les guerres modernes sont prises et qui les fait paraître de plus en plus injustes, injustifiées, en particulier aux yeux de la population. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire qu'on a déjà vu quelques bavures, ce qui s'est passé au mois de janvier avec les questions à propos de janvier 2021, de ce bombardement des forces Barkhane. S'agissait-il d'un mariage? S'agissait-il d'un groupe de djihadistes? La question est encore ouverte. On l'a vu avec l'incident récent sur la photographie des prisonniers, que les soldats danois qui ont assisté à cela ont évidemment communiqué. On l'a vu avec les dilemmes sur la capture des prisonniers. Faut-il les capturer? Faut-il les éliminer? Bref, tout ça fait que, inévitablement, toute guerre, dès qu'elle est menée dans la réalité, elle ne peut pas, les meilleures intentions, elle ne peut pas contrôler les moyens, surtout quand on veut éviter les pertes humaines, qu'on pratique, qu'on se sert de drones, qu'on se sert de bombardements. Donc très vite, il y a une sorte de télescopage des moyens utilisés sur la justesse de la cause. Et le paradoxe auquel je voudrais arriver, qui est quand même le meilleur moyen de montrer que ce concept de guerre juste ne peut plus tellement fonctionner aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, une des solutions envisagées, refusée par la France et qui semble de plus en plus acceptable aux yeux de certains, c'est de négocier avec la partie adverse. Or, dans les principes de la guerre juste, on ne déclare pas, enfin, on ne se lance pas dans la guerre tant que toutes les voies de la négociation n'ont pas été épuisées. Donc là, d'une certaine manière, on est ramené à l'impossibilité, à la nécessité de faire ce qu'on aurait dû faire avant et qui était d'emblée écarté. Pourquoi on ne négociait pas? Parce que ce ne sont pas des partenaires avec qui on peut négocier. Ça montre d'une certaine façon les limites de cette comparaison et ça pose un véritable problème sur ce que peut être une intervention aujourd'hui dans un monde de plus en plus instable et avec des acteurs, des entrepreneurs de violence, comme cela a été dit, de plus en plus décentralisés et sans programme véritablement identifiable. Une question, Bertrand Badie, qui prolonge ce que vient de dire Monique.
Peut-on négocier avec qui? Et je vous demande une réponse brève parce que j'ai une question importante à poser à Pascal Perrineau. Mais on peut toujours négocier avec l'autre. Et étant de la génération... Les autres. Étant de la génération de la guerre d'Algérie, je me souviens comment on disait... À propos du FLN, on ne négociera jamais avec des terroristes. Et puis, il y a eu les accords d'Évian, et puis Ben Bella est devenu président de la République algérienne. Évidemment, oui, mais quand vous avez des prises d'otages dans une banque, vous négociez avec les gangsters pour assurer la libération de ceux qui sont pris en otage, et ainsi de suite. L'idée de la négociation impossible est une idée absurde. Est une idée totalement absurde. Négocier, ça ne veut pas dire donner raison, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire aboutir à donner ce que l'autre recherche. Ça veut dire tout simplement trouver les conditions, effectivement, d'une diminution de la violence. Terrorisme est un mot qui est extrêmement difficile à définir. Violence, hélas, est facile à définir. Nous sommes dans des sociétés qui sont grandes productrices de violence du fait de tous les équipes que nous connaissons. La meilleure façon d'atténuer la violence, c'est justement de faire en sorte que les entrepreneurs de violence ne la fassent pas fructifier. Christine, un mot et je... Oui, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la typologie de ces mouvements. Certes, il y a deux grandes familles de djihadistes, une affiliée à Al-Qaïda, l'autre à Daesh. Mais à partir de là, vous avez une multiplicité de bandes armées, de milices armées. Et donc, négocier, certes, et d'ailleurs la négociation n'a pas été exclue, et en particulier au Burkina Faso, où les autorités auraient déjà commencé à négocier. Mais encore une fois, c'est une hydre à plusieurs têtes, et qui a un projet politique. Et ce projet politique, c'est celui d'une idéologie qui est l'idéologie djihadiste, mais avec plusieurs composantes qui y tirent évidemment leur profit et qui recoupent les trafics ancestraux, les bandes criminelles organisées, etc. Donc oui, négocier certes, mais l'hydre a plusieurs têtes. Pascal, désolé de vous laisser si peu de temps pour répondre à la question. Est-ce que ce dossier... C'est de ma faute. Peut-être réellement embarrassant pour Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'une nouvelle candidature en 2022. Est-ce que ça pèse dans le débat public ? Non, je ne crois pas que l'élection présidentielle se fera sur le maintien de la présence... Ce n'était pas le sens de ma question, mais est-ce que c'est embarrassant ? Non, je ne crois pas, parce que jusqu'à maintenant, au fond, c'est l'année 2019 avait été en effet une mauvaise année au Mali. On ne peut pas dire là que sur le terrain militaire, l'année 2020 ait été une mauvaise période. Et ce qui vient d'être mis en place par le président, c'est-à-dire une inflexion de la stratégie autour de thèmes comme la sahélisation, c'est-à-dire former les armées sur le terrain et les faire intervenir. Tout de même, l'armée tchadienne, quand elle intervient, c'est une armée qui n'est pas une armée tout à fait incapable. L'européanisation, on le voit dans ce qu'on a dit tout à l'heure autour des forces spéciales. La globalisation, on n'a pas du tout parlé, en effet, du fait que, certes, ce sont des États faillis, mais en termes d'administration, la MINUSMA, c'est-à-dire les forces de l'ONU, il y a 13 000 personnes tout de même. Ça n'est pas n'importe quoi. Et ils peuvent servir lutter contre ces États faillis qui peuvent nourrir, en effet, comme on le disait, le terrorisme. Merci à tous les quatre, Bertrand Badi, Monique Cantos-Perber, Christine Ockrent et Pascal Perrineau. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, et à la technique, à Hélène Langlois, Alexandre Martin, David Abécassis, Rémi Gouriou et Wojciech Noiré. Tout de suite, nous retrouvons Caroline Brouet et les bonnes choses, avec au menu aujourd'hui une question au moins aussi existentielle en France que celle de la Ve République. La haute gastronomie a-t-elle encore un avenir? Oui. C'est important. France Culture.